Dès la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Shape et c'est un plaisir de vous entraîner aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est parti pour un programme alter à faire en 15 minutes spécial pour le bas du corps. Aujourd'hui on va cibler les fessiers, les cuisses, les ischios, les mollets. L'entraînement du jour est inspiré de mon programme spécial prise de masse en 90 jours. C'est parti, on va prendre deux haltères. Donc j'ai pris des haltères de 5 kg, vous prenez les haltères que vous avez à la maison, ça va très très bien. On commence, goblet squat, c'est parti. On se met comme ceci, on descend et on remonte. On contrôle la charge, talon enfoncé dans le sol. On pense à bien souffler. On accompagne le mouvement, on contrôle le mouvement. Voilà, le dos est droit, très très bien. Voilà, les genoux qui vont vers l'extérieur. On contrôle, on peut s'amuser à faire du tempo. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, encore, 1, 2, 3, 1, super. Prochain exemple, on va venir faire des fentes. Pour cela, on va prendre les deux haltères ou une seule, suivant votre niveau. Bon niveau, deux haltères, un niveau débutant, une haltère. Allez, c'est parti. Hop, une, deux, voilà, fente inversée, trois, quatre, c'est bien, cinq, encore, on pousse avec la jambe de devant, la jambe de derrière, elle reste ancrée dans le sol, c'est bien, encore, voilà, on se met dans un bon rythme. N'hésitez pas à prendre de la récup si besoin. Voilà, on inverse les jambes. Super, on pose. On souffle bien. On désengorge ses cuisses. On va passer au prochain exercice, ça va être le défente aussi, mais en arrière cette fois-ci. Hop, c'est parti. Comme ceci, et là on vient en arrière, on pose le genou au sol et on repart de suite. Super. C'est bien. Encore. Voilà, on pense à bien souffler. Allez, courage. Avec le sourire, c'est bien. Super, on récupère. Prochain exercice, on va venir travailler les fessiers. Pour cela, on va passer au sol en hip thrust. Hop, on place le poids au niveau de son bassin. Et on lève. On contrôle le mouvement, on peut se mettre sur les talons. Super. Voilà, on serre bien les fessiers en haut. Si c'est trop facile, prenez une charge plus lourde au niveau de l'haltère. Encore, c'est bien. Allez. Encore, allez, allez, allez. Super. Génial. Génial. On se relève. Hop. On se redresse. On va venir travailler le squat avec deux haltères au niveau des épaules. Je vous montre. Vous allez vous mettre comme ceci. Voilà. Et là, c'est parti. On accompagne le mouvement. C'est trop dur. Vous faites pendre les haltères. 1. C'est bien. Vous allez voir que même avec des haltères de 5 kg, le fait d'enchaîner, pas prendre beaucoup de récup, ça va cramer. Super. Talon enfoncé dans le sol. Voilà. Vous n'êtes pas sur la pointe des pieds comme ça, non. Talon solide. Dos droit.
Très très bien. Encore. Super. Prochain exo. On va prendre une haltère, on va venir cibler les ischios et les fessiers. Avec une fente, on va décaler, on va partir un peu derrière. On peut la prendre comme ceci. Et là, 1, 2, vous avez vu, on vient croiser derrière. Un peu plus loin que tout à l'heure. Super, c'est bien. Voilà, on reste concentré. On essaie de ressentir ses muscles travailler. Encore. Allez. C'est bien. Très bien, on récupère. On souffle un peu et on va faire l'autre côté. C'est bien. Allez. Même position de l'haltère. Voilà. Hop. Le pied touche et on repart. Encore. C'est super ce que vous faites. Encore, allez, allez, allez. On tient bon. C'est pour votre bien. Super. On souffle un peu, on va venir travailler les mollets. Pour cela, vous pouvez vous mettre soit sur une marche d'escalier, par exemple, histoire d'avoir les talons, d'avoir plus d'amplitude. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'escalier là devant nous. Alors, on va se mettre comme ceci, pointe de pied et comme ça. Voilà, les bras le long du corps. Les bras ne servent à rien. Vous êtes détendu au niveau des bras. Ils sont juste là pour maintenir l'haltère. Voilà, super. On souffle bien. Encore. Génial. Prochain exercice. On récupère. Allez. On a fait un peu de la moitié. On va venir faire la haltère à ce niveau-là. Squat avec l'haltère entre les jambes. C'est parti. L'haltère touche le sol et on remonte. On peut même s'arrêter juste avant. Très très bien. Allez, on souffle bien. On souffle en poussant. C'est bien, allez, allez. On tient bon. Super, tout se passe bien. On repasse en mode fente. Deux bras le long du corps. Allez, c'est parti. On va venir faire fente sur place. Hop, comme ceci. 1, 2, 3, c'est bien. 4, 5, 6, encore. 7, 8, 9, 10, ça commence à piquer, c'est normal. 1, 2,
3, allez. 4. 5. 6. On récupère, enfin l'autre jambe. Suivant le poids que vous avez pris, ça pique beaucoup. Allez, l'autre jambe. C'est parti, bras le long du corps. Le dos est droit. Le genou rentre dans le sol. Dès qu'il a touché, il repart de suite. Très bien. Allez, courage. Encore. Ok. Allez, reste 4 exercices. Prochain exo, goblet squat comme on a fait tout à l'heure. Allez, c'est parti. On contrôle la charge et on remonte. On descend bien. Ça sert à rien d'aller trop vite. Aujourd'hui, on n'est pas là pour travailler le cardio. On est là vraiment pour renforcer vos cuisses. Vous faire prendre en force et en volume. C'est bien. Allez, prochain exo, vous allez me détester. Prochain exo, on va faire la chaise avec une haltère sur les genoux. Je sais que c'est dur la chaise en elle-même, donc si vous êtes débutant, faites la chaise sans poids. Si vous avez un niveau plutôt confirmé, mettez du poids. Allez, c'est parti. On peut se mettre comme ceci. Voilà. Allez, on souffle bien. Le dos droit. Allez, en dessous, on est concentré. Il fait chaud, c'est normal. Allez, allez, allez. Allez. Ah, horrible, horrible. Allez, courage. Allez, deux exercices, on a fini. Une haltère. Allez, que la jambe gauche. L'entraînement va vous terminer les cuisses. C'est bien. Allez, allez, allez. On tient bon. Allez, allez, allez. Super, on souffle. Enfin la jambe droite. Et on sera bon pour les jambes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est bien. 8. 9. 10. Allez. 11. 12. 13.
14, courage. 15, allez. 16. Yes! Bravo, je suis fier de vous. Cet entraînement, vous pouvez le faire 2-3 fois par semaine. À présent, la Team Shea, vous pouvez télécharger mon programme d'entraînement spécial prise de masse en 90 jours. À l'intérieur, vous retrouverez plein de séances d'entraînement, comme on vient de faire, mais aussi et surtout plein de conseils alimentation. Pour le télécharger, le lien est dans la description. À présent, la Team Shea, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici, une nouvelle vidéo d'entraînement tous les jours. Et si vous avez encore de l'énergie, cliquez ici et faites une autre vidéo sport. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!